Alors salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici donc mon tuto numéro 108, et aujourd'hui ce sera donc le cours numéro 2 sur l'étude de Misirlou, qu'on retrouve dans Pulp Fiction ou la musique de Taxi, version Dick Dale. En fait c'est un arrangement que je vous propose, hein, vraiment pour essayer de travailler déjà dans un premier temps le thème de manière simple, et si possible, pour ceux qui peuvent, en tremolo picking. Donc on avait travaillé la partie A et A', c'est-à-dire le thème sur la grosse et la petite corde de Mi. Aujourd'hui on va travailler la partie trompette, donc la partie B, donc un arrangement encore que je vous fais. Et puis on va également parler encore un petit peu plus en profondeur de la technique tremolo picking. Allez on y va, let's go! Allez, c'est parti. Donc, pour commencer ce tuto, je vous remontre la partie A', celle qui était jouée sur la petite corde. C'est la même que la partie A qui était jouée sur la grosse. Donc, 3, 4, O, 1, 4, 5, 7, 8, 11, 8, 7. Cette partie-là est à jouer deux fois. Ensuite, 8, 7, 8, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 7, 5, 7, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 1, haut. Et ensuite arrive la partie trompette. Cinq, six, sept, huit, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, un, six, sept, huit, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, un. Et j'arrive à la douzième case. 5, 3, 5, 7, 5, 7, 8, 7, 8, 11 et 12. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, ça va faire un découpage un petit peu comme sur la partie A ou A'. Ça va faire. Là, attention, 10, 8, 10, 8, 7, 8, 4, 7, 4, 1, et Mi à vide. D'accord? Je refais cette partie. 10, 8, 10, 8, 7, 8, 4, 7, 4, 1, 0. 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Et c'est fini. Je repars de la 13e case. Quatre, cinq, six, sept, huit, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, en fait, cette approche vers la cinquième case, on peut la faire un petit peu comme on veut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire sur le premier temps faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Le tout est vraiment de finir à la cinquième case sur le premier temps. Donc je refais toute cette partie lentement. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 2, 3, 4, ok? Et ensuite, une fois 3 5 7 5 7 8 7 8 11 12 sur deux mesures 1 2 3 4 Cette technique du trémolo picking sera également à appliquer sur cette partie-là. Alors on va travailler maintenant la partie A' à différentes vitesses et après ça sera à vous de faire le taf pour essayer de monter jusqu'à la vitesse du morceau. Je vais mettre noir à 90. Et on va d'abord travailler la première partie du A'. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et... On va faire une deuxième fois. 2, 3, 4. On s'arrête à 8ème case. D'accord ? Déjà juste cette partie-là. La même chose, noir à 110. 3, 4. Deuxième fois. 2, 3, 4. Sur le 8, noir à 130, 1, 2, 3, 4, pas facile, 1, 2, 3, 4, allez encore une fois, 1, 2, 3, on s'arrête sur le 8. Maintenant, je mets tempo à 120 et on va essayer de travailler A' en entier. 1, 2, 3, 4. Et tout de suite. 1, 2, 3. Très difficile de le faire à des vitesses lentes comme ça. Mais voilà, expérimentez. Pensez aussi à expérimenter les... Ça, c'est un très très bon exercice. Par exemple, si on essaie de le faire à 120,
Donc c'est un exercice, et vous savez que dans le morceau, par moment, on a des descentes comme ça, sur la grosse corde, ou sur la petite corde. À un moment donné, sur la petite corde, on a la descente à la 12e case, et à un moment donné, on l'a aussi à la 7e. Et sur la grosse corde également. Alors si on essaye de faire une descente à 120, non, c'est pas si long que ça, mais... Si on fait de la 7e case, sur la grosse corde, voilà, faites des petits exercices comme ça. On va essayer de le faire à 140. De la 7e case. De la 12e. Grosse corde. Pas facile. Voilà, ça c'est des très très bons exercices. 160. Ouh ! 7e case. Ça fait penser un petit peu à l'exercice de manoir qu'on a travaillé. 7e case, grosse corde. C'était donc le deuxième cours sur Misirlou. Donc on a travaillé la partie A, A' et aujourd'hui la partie trompette en tremolo picking. Donc c'est vraiment pas facile à jouer, c'est assez difficile en fait à jouer très lentement. Donc si vous avez suivi les 4 tutos précédents que j'ai pu faire sur la chaîne YouTube, je pense que vous commencez à avoir quelques réflexes. Donc là accrochez-vous parce que ça va super vite et ça change tout le temps en fait. Donc prenez votre mal en patience, travaillez consciencieusement avec votre boîte à rythme et à partir d'une certaine vitesse, voilà, vous mettez le disque et vous essayez de jouer avec. Essayez d'être léger comme une plume avec votre main droite. C'est l'unique solution pour réussir à faire ce jeu-là. Donc prenez votre mal en patience, mettez une petite disto ou une overdrive, mettez un petit peu de trémolo et de la reverb, pourquoi pas un petit peu de delay, histoire de salir un peu le son et être dans l'esprit surf. Et puis, bah, expérimentez. N'allez pas plus vite que la musique, c'est une technique qui demande beaucoup de temps. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Salut !